est ainsi maîtrisé. Le feu s'est déclaré aux environs de 13. Bon, ça brûle, on le sait, ça brûle partout. Bon, ce qui est très, très, très dur. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. De femmes, de personnes, ce qui était très pénible, c'est le nombre de femmes et des enfants pleurés. C'est normal, j'ai dit mise à vœux, mais pas de sang. Bon, le joueur de foot de mes couilles, là, j'en ai marre, là. Morphe le trou du cul. S'il se prend pourquoi, lui, avec ses tatouages de merde. Combien c'était marqué? 222 millions. Il vaut plus cher que Luc Besson. Je me suis trompé, c'était pas aventurier, je sais pas quoi. C'est Valérian. Vous avez dit Adrien, je sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ça y est, ils leur mettent des puces pour payer les courses, entre le pouce et l'index, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Voilà, on est sur le 21h30, BHL TV. Morceau de merde. Mais pourquoi vous êtes des merdes comme ça? Je comprends pas. Je suis aussi un trou du cul sur pattes, mais ça va, je me la pète pas plus haut que mon cul. Le début de l'été, et le feu a menacé... Être riche, c'est être une ordure, c'est pas penser aux autres, c'est ne pas partager. Moi, ils ont évacué les randonneurs. On va encore rien y voir. Peut-être qu'on voit encore Ben Laden. Il a plus de tête, mais il a deux grands bras. Hein. De con, quelle planète de merde. Ça devrait être un paradis et vous en faites un enfer. Les habitants évacués, ont pu regagner leur domicile. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez pris des nouvelles mesures de prévention d'éventuels incendies? Oui. Est-ce que tu as acheté un nouveau latex pour te faire enculer par le pouvoir? Tiens, les capotes pour extincteur, pour bien t'asseoir. Toi. Vous n'avez pas marre de prendre les gens pour des cons, ou inconnus. Ne pas prendre les gens que pour des cons, mais ne pas oublier qu'ils le sont. C'est exactement ça. La télé, c'est un avilissement cérébral incroyable. C'est un électro-aimant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de télé chez moi. Ça fait plus d'un mois que j'ai plus de téléphone. Ah, je suis super content. Pas de pollution électromagnétique. Là, ça me fait mal au crâne d'entendre leur connerie. Oui, merci à vous, vous comprenez. Que le feu près de votre commune, tu vois le truc, est en passe d'être non, maîtrisé. Tu vois pas. Évidemment, on suivra la situation tout au long de la soirée. Voilà, voilà. Le risque incendie voilà. Lié à la très forte chaleur, hein. Monsieur Fagénie le disait à l'instant. Quelle très forte chaleur, c'est pas un mégot de clope qui allume un feu, je suis désolé. C'est toujours un bonhomme, un promoteur ou c'est toujours un enculé. Des fois, c'est même un paupier. Tu vois. De ces régions. Cette nuit, près de Lyon, il a fait jusqu'à 37 degrés cet après-midi. Oh, 37 degrés à Lyon, et alors? Moi, j'ai une personne qui a toujours eu chaud, mais alors là, franchement... pas ça que je veux voir, moi. C'est lourd, quoi. C'est pas la chaleur, comme ça tourne en boucle, tu sais, c'est pour débiles mentaux. BHL TV, c'est pour débiles mentaux. Je redis qu'ils m'ont niqué mon Facebook. Et du coup, j'ai profité de la chaleur matinale, surtout à côté des fleuves. Moi, je sors bonheur le matin, et puis l'après-midi, bah, je reste à la maison, et puis je ferme les volets, puis j'attends que ça se passe, et puis le soir, je ressors. Et pour aller plus loin, nous accueillons en plateau Benoît. Comment on peut vendre son âme comme ça? On le disait évidemment que la nuit va rester très chaude pour beaucoup d'habitants. Et l'autre, attends, 222 millions d'euros, plus cher que Luc Besson. Non, mais attends. Luc Tesson à la Valériane, non? Des conseils qui ne s'adressent pas qu'aux personnes fragiles. Ah, des bons gestes. Buvez de l'eau. Non, moi, je bois du rosé. Et je t'emmerde. Entre le 17 et le 27 juin, où ce que nous avons observé, c'est des mortalités plus élevées chez Je le redis. Big Pharma, c'est de la merde. Vos saloperies chimiques, je t'emmerde. La pharmacie, c'est de la merde. Et donc on l'a observé chez les personnes qui... Si on buvait un bon coup, fumait un bon joint, il y aurait la paix sur terre. Je redis. Si on vendait pas d'armes, il n'y aurait pas de guerre. S'il n'y avait pas de riches, il n'y aurait pas de pauvres, il n'y aurait pas de voleurs.
Moi, je veux réparer la planète. Je fais crise de Nice et je vous pisse à l'arrêt. Le premier mec du pouvoir qui est pas content, là, le Macron en boîte, sauce Rothschild, j'y pète la gueule. Le Donald, il est costaud, mais à 3, même tout seul, de toute façon. J'y mets un frontal, j'y casse son nez, j'y casse tout. Là. Il fait du catch. A catch in the night. Oh, oh, oh. Il y en a marre. Vous êtes des ordures. Surtout au pouvoir. Un costard-cravate, finalement, ça pue plus qu'un clochard. C'est de la merde. Putain, vous êtes formaté à de la merde. Tu comprends le truc? Les bons gestes. Surtout pas boire d'eau du robinet, c'est ça qui donne Parkinson et Alzheimer. De ne pas faire d'activité physique dans les heures qui sont les heures chaudes et en particulier pour les quelques jours qui viennent et notamment ce week-end sur la région sud-est de la France, plutôt se réserver éventuellement dans la soirée. La couche de la zone. Réserver la couche de la zone. Ils savent qu'ils sont en situation fragile et bien éviter pendant ces quelques jours de pratiquer cette activité de fond. Attends, j'attends encore un peu, il va y avoir pire. Moi j'aime bien, je fais mon sketch. Alors, tu veux y être? Oh non, alors. La défense contre la chaleur est moins bonne, en particulier les tout jeunes âges ou les grands âges. Quelle bande de connards qui gouvernent cette planète, putain. Quelle bande de vendus. Qui sont dans des établissements. Mais finalement, c'est pas vraiment de la juiverie. Bon, c'est pas parce que. Ils ont cloué leur chef. Dans tous les établissements pour personnes âgées de France. Eh bien, ce sont des. Si tu veux, c'est une histoire d'esprit du devenir de l'ensemble. Bon, c'est un triche le temps que vous êtes vivant. Ça, c'est la chanson à Jacques. Il faut sauver la terre entière. Il faut la sauver de la misère. Avec nos mains, avec nos cœurs. Il faut la sauver du malheur. Prendre conscience de la distance qui nous rapproche de l'échéance. Les éventuelles maladies liées à la chaleur. Les acteurs donc, de la sécurité sanitaire, mais aussi ceux de l'intérieur. Qui sont des... On va voir à Madagascar ou au Maroc comment que c'est. Et aussi d'autres partenaires ministériels. On parlait tout à l'heure des vous êtes là, le cul devant votre télé, vous n'avez jamais bougé, vous ne comprenez rien. Qui sont mobilisés. Des bœufs. Les sanitaires sont très mobilisés, services d'urgence. Tu es venu chercher les brebis. Il y a une attente qui est bien comprise de la part. Pardonne-leur d'être aussi con. Saluer les collègues des urgences aussi. Oh, mais pour qui je prends celui-là? Mais je t'emmerde, PD. Et qui se mobilise très très vite, effectivement, quand il y a une augmentation des températures. Là, pédophile du pouvoir de merde. Allô, Jacques Lang? Allô, Hollande? Oh, j'ai le papier. Hein? Prenez-moi que pour un con. Bon, maintenant, ça va venir au film, là, sûrement. 21h39, à l'instant où je vous parle. Effectivement, voir les services d'urgence commencer à recevoir. Services d'urgence, aïe. Pharmacie, le serpent qui se mord la queue, tu sais. Un épisode caniculaire qui peut être plus difficile à supporter pour les travailleurs des plages, les sauveteurs. Ah, pour les travailleurs, les pauvres. Les sauveteurs et tout. Reportage sur les plages de Toulon, de Pauline Forg, Annabelle Rouleau et Jonathan Dupré. Franchement, c'est mal payé l'esprit. C'est la star de l'été. La boisson fraîche. Je m'en fous, pour moi l'argent c'est le mal. C'est le mal sur terre. Ce restaurant en bord de mer affiche complet. Bon, on va attendre un peu parce que. L'aimer des travailleurs. Je suis co-gérant de Tahiti Plage. Mal aimé. Je suis le mal armé. Prospère. Non. Bon, pour l'instant, on arrête.